l'équipe nationale puisse voir des sensations fortes. Nous souhaitons la victoire à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et nous l'espérons. Qu'il rêve, il continue de rêver, il est dans le rêve, nous sommes dans la réalité, nous savons que nous allons partir cette équipe. D'accord, ok, on va voir ça tout à l'heure. À côté donc de l'association fondation des supporters de Côte d'Ivoire, l'ANCI, qui a son président qui est là, Rodrigue. Bonsoir à l'association des supporters. Côte d'Ivoire, 3-1. Côte d'Ivoire, bravo, 3-1, c'est parfait. Et Guinée-Bissau, 1. Donc c'est le seul but qui vous marquer là pour la recette. Et nous pouvons vous remercier de avoir tout à l'heure. Alors nous assistons en ce moment donc à l'arrivée du président de la République. Le show va bientôt débuter. D'être ici en Côte d'Ivoire pour cette Coupe d'Afrique des Nations, la 34e édition. Et c'est en Côte d'Ivoire qu'elle se déroule en ce moment même. Dans quelques instants, nous aurons les premières images de cette Coupe d'Afrique. Accueillis, ils sont accompagnés, ces autorités-là, du président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, qui fait de grandes choses en ce moment pour le football ivoirien, avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui est là, qui est à Abidjan pour le début de cette rencontre, le président de la République qui est accompagné bien sûr de son épouse. On est accompagné de son excellence Issa Kangouté, représentant de monsieur le consul général. Excellences, Madame et Monsieur les agents permanents adjoints, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Ismaël Cissé, président du Comité national de soutien aux éléphants, section États-Unis, Mesdames et Messieurs les membres du personnel de la mission permanente et du consulat général, Mesdames et Messieurs les membres de la section États-Unis du Comité national de soutien aux éléphants, honorables invités, chers supporters de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs. 1984-2024, voici 40 années que la Côte d'Ivoire, notre beau pays, organisait la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, au-delà de la compétition qu'accueille notre pays, c'est une véritable ode au football qui est récitée. La présente cérémonie qui marque donc le lancement de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations ici à New York sera menée bien avant la diffusion du match d'ouverture par le message de Monsieur le représentant du consul général de Côte d'Ivoire à New York et du représentant permanent de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies. Bien évidemment, nous inviterons M. Ismaël Cissé pour la présentation de sa structure. Sans plus tarder, nous invitons Son Excellence Issa Kangouté, représentant de M. le consul général de la Côte d'Ivoire, pour son mot. Sous vos ovations, mesdames et messieurs. M. l'attaché de défense, colonel major Aboubakar Gambi Sako, chers guides religieux, chers leaders de l'association, chers compatriotes, mais surtout chers frères et sœurs, je voudrais, au nom de leur excellence, Enza Camara, consul général de Côte d'Ivoire à New York, et Tiemoko Moriko, représentant permanent aux Nations Unies, vous dire merci d'être venus si nombreux pour qu'ensemble nous vivons des moments intenses d'émotion et de passion. En décidant de créer cette fan zone, leurs excellences ont bien voulu offrir à vous, chers compatriotes de la diaspora, l'ambiance, la chaleur et la ferveur qui règnent actuellement dans notre sublime Côte d'Ivoire, notre chère patrie. 40 ans après 1984, il a plu au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de bien vouloir autoriser que notre pays abrite la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette manifestation prestigieuse place notre pays pour un mois au moins au centre de l'Afrique et du monde entier. Elle nous donne également l'occasion, si besoin en était encore, de montrer au reste du monde notre sens de l'hospitalité caractérisé par notre légendaire Akwaba. Akwaba, à nos autres qui auront l'opportunité de découvrir notre riche patrimoine culturel,
dans toute sa diversité. À quoi bon à nous autres qui découvrirons un pays transformé, beau, qui fait notre fierté. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, en créant notre fan zone, ici dans cette salle polyvalente, leurs excellences ont voulu que nous nous retrouvions, fils et filles de la Côte d'Ivoire, tous ensemble, dans nos diversités géographiques, linguistiques et religieuses, pour vivre en symbiose cet événement important qui atténuera sans nul doute la mélancolie de l'absence de notre pays. Pour clore mon propos, je voudrais, au nom du consul général et du représentant permanent, vous dire encore merci et vous témoigner notre gratitude d'être venus si nombreux pour vivre en communion ce moment si important pour nous et notre pays. Cela montre votre attachement à la mère patrie. Vive la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La CAN, c'est chez nous. Vive la Côte d'Ivoire. Allez les éléphants, je vous remercie. Au discours, j'avoue que je suis particulièrement heureux. Au nom de l'ambassadeur Zach Amara, consul général et délégué du bureau économique, et de tous les ambassadeurs ici réunis, le personnel de la mission permanente de Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies, du consulat général et du bureau économique, vous souhaitez donc l'aquaba. L'aquaba, ce mot si cher à notre cœur que tous les Ivoiriens chantent en cœur aujourd'hui, à l'accueil de toutes les délégations africaines et même mondiales qui arrivent aujourd'hui en terre des Burundis, c'est-à-dire dans notre si beau pays. Aujourd'hui a été un moment fort, c'est un jour historique, ça a été dit 40 ans après 1984, la Côte d'Ivoire a l'honneur d'abriter sur cette terre la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est un moment fort. Et la jeunesse ivoirienne, à travers ma voix, voudrait avoir une pensée pour monsieur, pour son excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, qui a tout mis en œuvre pour que cette CAN de cette édition 2024 soit la plus belle et la plus réussie de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Je voudrais en ce moment avoir une pensée plus pour tous les éléphants footballeurs partis un peu trop tôt et à qui nous adressons nos prières pour qu'ils soutiennent aujourd'hui leur cadet. Parce que cette coupe-là, elle est déjà sur les bords de la lagune des prières. Nous ne voulons plus qu'elle bouge, il faut qu'elle y demeure. Et nous prions que la Côte d'Ivoire, au sortir de cette CAN, au rendez-vous du 11 février prochain, à ce même stade des BMP, la Côte d'Ivoire soit représentée avec à sa tête son excellence M. Alassane Ouattara et tous les membres de son gouvernement et toute la Côte d'Ivoire entière pour célébrer à l'unisson la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Nous avons la certitude qu'avec l'élan de solidarité, de générosité, d'amour, de paix, de réconciliation entre les Ivoiriens, que cette Coupe d'Afrique-là viendra tisser, encore une fois, les maillons entre Ivoiriens pour que nous demeurions cette terre d'hospitalité, ce pays d'accueil, ce pays de fraternité, ce pays où il fait bon vivre. En ce moment, avec beaucoup de regrets, il faut les estimer, nous aurons tous voulu être à Abidjan. Malheureusement, pour des contraintes des uns des autres, nous n'avons pas pu être à Abidjan aujourd'hui, mais nous nous unissons de cœur et en prière avec toute la Côte d'Ivoire et ici aujourd'hui, autour du président de la République, au stade des BMP, le stade Alassane Ouattara, pour la cérémonie d'ouverture que vous voyez déjà, belle en couleur, et nous souhaitons, à la fin de cette cérémonie, un match plaisant, un nouveau visage des éléphants de Côte d'Ivoire qui ne nous donne plus la migraine, et que nous soyons sûrs qu'au sortir aux alentours de 20h, nous ayons cette victoire-là que nous attendons. C'est important pour la Côte d'Ivoire, c'est important pour l'Afrique. Je disais un commentaire tout à l'heure, un des plus grands artistes footballeurs d'Afrique, de citer le célébrissime Samuel Eto'o qui disait « La Côte d'Ivoire aujourd'hui va donner une leçon au monde. Il n'est pas ivoirien, il demande même au moment de la FIFA de prendre note. » Quant à l'organisation parfaite qui se dessine déjà et dont vous voyez les images. Vive la Côte d'Ivoire, vive la téléphone de Côte d'Ivoire, et bonne victoire pour vos vaillants soldats, pour nos commandos ivoiriens. Merci beaucoup, je vous remercie et bonne fête à tous.
Chers supporters des éléphants de la diaspora, bonsoir. Et ici, vous avez le président du comité de soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire, section États-Unis, Ismaël Cissé. Et nous sommes donc en direct du consulat de New York, où aujourd'hui nous organisons donc la cérémonie pour l'ouverture de la Cannes d'édition 2023, la 34e édition 2023. Et tout à l'heure, donc, nous allons être en direct du stade Mbempe, la bonbonnière, comme on l'appelle très souvent, qui va vibrer au rythme donc, de la fête. Et nous sommes ici, pour ce qui nous concerne au niveau de la diaspora, nous sommes organisés pour mobiliser nos compatriotes afin d'être de la fête. Aujourd'hui, c'est la fête, et qui certainement, de là où il est, la suivra avec beaucoup d'émotions. Alors, monsieur, je m'appelle Assetou Kone. Mon pronostic pour ce match, je vais pronostiquer 3-1. C'est mon souhait pour la Côte d'Ivoire. 3 pour la Côte d'Ivoire, 2-1 pour la Guinée. Christian, 3-4-1 pour la Côte d'Ivoire. 4-1 pour l'ancien, on va prendre la billet. Voilà, elle va nous donner son pronostic. Mon cher Maria Berthe, 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Voilà, Maria Berthe, 2-0 pour la Côte d'Ivoire. 4-1 pour l'ancien, 5-1. Ah, les dames sont vraiment, elles sont motivées. Hein. Madame Diakité, 3-1 pour la Côte d'Ivoire. Je pense que quand les femmes font le pronostic, la plupart du temps, ça tombe juste. Kadiwasa, 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Kadiwasa, 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Aka de New Jersey, je pense que la Côte d'Ivoire va gagner 3-1. Voilà. Kouyaté Boubaka, 3-1. Essayer de détendre un peu voilà, l'atmosphère au niveau de, voilà, du beau public. Je pense que la communauté ivoirienne a répondu à l'appel de nos autorités. Nous allons réaliser ce match ensemble. Et voilà, la victoire sera au rendez-vous. Voilà. Merci déjà pour cette invitation. Encore pour se lever et pour chanter à l'unisson l'hymne national de notre pays. Donc apprêtez-vous, on va se lever tous et on va chanter à l'unisson l'hymne national de la Côte d'Ivoire.
absolument. Il faut rester concentré côté ivoirien et essayer. Pour surprendre les pistes guinéens, ils sont costauds et ils sont presque tous calfeurs. C'est la connexion. Qui t'a dit, je suis pas femme. Que ce serait un match très serré, mais 2-0, comme je l'ai pronostiqué, c'est pas mauvais à prendre. On espère que ce soit mieux, mais sinon, si on passe la barre de 2-0 déjà, c'est une très, très, très belle victoire. Et on prie que ce soit, on puisse gagner un peu plus, honnêtement, 2-0, c'est pas mal déjà. Ok, 3-0, mais je pense que nos éléphants maîtrisent, ils ont la maîtrise du jeu. Voilà, donc on est à la 67e minute, donc il y a encore du temps pour marquer le troisième but. Voilà, que moi j'ai pronostiqué. Il faut être fier de cette victoire-là, parce que je vous rappelle que le président Bissau Guinéen était en stade. Donc ces joueurs jouaient aussi parce que le président était là. Donc c'était pas évident, mais il faut être fier de vos garçons parce qu'ils ont fait le bon combat devant le président de la République. Et ça c'est important. Bravo à tous les Ivoiriens. Et puis on continue. On continue, on va jusqu'au 11 février au stade de Pempe, en présence du président Hassan Ouattara. 1, 2, 3, éléphant. Victoire.